Et voilà le travail. Bon bah vas-y hein. Et bon, on y va. Je te suis tranquillou, t'as fermé? Ouais. Ta voiture? Bon bah nouvelle partie pour fenêtre 4. Est-ce qu'il y a du courrier? Est-ce qu'il y a du courrier Pierre? Non, pas de courrier. Pas de courrier. Alors tout va bien. Et voilà, on a passé le plus dur du chemin. Ah, je te laissais partir un peu pour avoir un peu plus de champ. Une boule de glaise. Cette petite flaque là. Bon bah allez c'est parti, on rentre dans le temps fenêtre 4. Il y a toujours une petite sac d'eau sympa. Une sac d'eau sympa. Charge. Non, c'est le centre de tri. Centre de tri. Ça, c'est le centre de tri. Et alors? Là, il y a... Et on va continuer. C'est un peu scabreux. Hey, hey. Ça c'est l'ancien passage.
assez court et raide. Ça, c'est le nouveau passage. Un peu chiant aussi, mais ça passe mieux qu'avant. T'appuies sur l'écran derrière, c'est bon. Ouais. C'est juste à faire ça. Attends, Pierre. Je vais mettre ça là. Pierre est parti. On est arrivé dans le ressaut, en haut du ressaut de 3 mètres. Et là, on trouve des marmites. Ah bah il y en a plus qu'avant. Un peu plus qu'avant, hein. Ouais. Voilà la perte d'air. Il y a et le tuyau qui va nous amener l'eau au fond. Les bassines de récupération. Ouais, c'est bien, c'est top. Et l'eau qui va s'évacuer par un gros tuyau jusqu'à la salle du déconfinement. Ça descend. Et voilà à la patte droite, et on va prendre la branche de droite. Branche où on a sorti environ 1000 bacs. Toujours, on suit le tuyau, on ne risque pas de se perdre. Et on part à quatre pattes.
nous allons bientôt arriver à l'entonnoir. Nous y voici, nous y voilà. Avec le tuyau qui continue au plafond. Et l'entonnoir est complètement à sec. Des fois il remplit jusque là. Ouais. Jusque là, regarde, ça gorge. Ah ouais, ouais. Ça remplit. Ah, c'est impressionnant. Sec de sec. C'est... T'as vu, regarde, c'est. Ah ouais, ouais. Et là, bouché. D'ailleurs, il y en a qui sont amusés à mettre du sable dedans. Et l'eau, elle passe, on sait pas où. Bah, ça s'est bouché. Dans le sable. Hein, on va voir Pierre grimper. Hop, faut lever le pied. Voilà. Et voilà. Et ce petit conduit va nous donner accès à la salle des Nifargus. Voilà. On a remonté le ressaut. On va suivre Pierre. Et voici arrivé à la salle des Nifargus. Et la bouteille est toujours là depuis 2 ans. On l'ouvrira le jour où. Ouais, on l'ouvrira le jour où ça pourra passer. L'ex-siphon de Nifargus, Pierre est en plein dedans. Ouais, on voit peut-être encore bien le niveau là-bas. Ouais. Le barrage avec la récupération d'eau. Le passage le plus scabreux. Il arrive. Je vais vous montrer un petit peu. La galerie de gauche, que l'on devrait rejoindre derrière. Je dis bien, on devrait. Le passage des bassines. Voilà.
On est obligé de ramper un peu sur une planche pour pas trop se pourrir la vie. Et surtout se pourrir la combine. Pierre ? Ouais. On voit Pierre qui est en train de me prendre en photo. Eh ouais. Il y a la suite et moi le rôle. Ah, ça va être grave. Il est en train de s'envoler dans les épreuves. Ah merde. Et ça va être mon tour. Voilà un petit peu le passage un peu scabreux. On y va. J'ai fait le plus gros. Heureusement que c'est ponctuel, hein. Pourri la ville. Ça y est. En fait, on est sorti. Et nous voilà arrivés dans la salle déconfinée. Là, on voit que l'eau travaille très bien, hein. Voilà cette salle des déconfinés. Thank you.
Voilà la roue qui a été ressoulevée au milieu. Et ça se voit même pas. Alors les cordes, les bêtes. On n'a pas la batterie. Ah oui, bah ça. On va gratter. Si elle est là, la batterie, non? Ah non. Il y a la batterie? Pardon? T'as la batterie? Non. Voilà un peu les cailloux. Ça fait péter notre président la dernière fois qu'il est venu. Ah oui, joli, joli. Ah, il a fait du bon boulot. Les piochons. Tout ça, ça a été déblayé. C'était tout rempli de sable. Non seulement du sable, mais alors voilà. Voilà la cave à, pierre. Alors la cave à pierre, c'est pas une cave à vin, hein, c'est une cave à eau plutôt. Et une cave à boue aussi. Là on voit bien qu'il est arrivé au fond sur de la roche. Encore des outils, pas très propres mais ça marche quand même. Encore un test ici. Encore un peu du déblai. Et nous arrivons au fond où là, où il y a pas mal d'eau. Hein. Voilà, je sais pas trop où on va gratter. Bon ben voilà, fin de la séance.